alors là, par contre, c'est une complicité avec un grand auteur, un écrivain extraordinaire. C'est avec Bernard Delay. Monlucci était très ami avec Bernard. Et d'ailleurs, Monlucci, qui avait monté une maison de disques, avait édité les poèmes de Bernard Delay sans se soucier qu'ils étaient déjà édités ailleurs. Et là, cette chanson, c'est part du Gerpil. Gerpil, c'est un petit cabaret qu'il y avait sur la butte, où, vous savez, ce genre de cabaret où on refait le monde à partir de 5h du mat. Les heures que j'ai passées à me finir au Gerpil, avec des filles de rien qu'on appelait monsieur, qui s'est vibré pour moi leur Michelin fossile, pour m'envoyer le soir un peu de poudre aux yeux. C'était des heures perdues que je gagnais quand même. J'y perdais l'équilibre et parfois la raison aux dernières années de ma vie de bohème, avec des enfants de cœur qui sortaient de prison. C'est une maladie, comme on dit, de jeunesse. Je suis un vieux gamin assez mal conservé. J'ai toujours adoré les chemins de traverse qui vont du quartier au quartier réservé. Je ne demande rien aux gens que je fréquente, qu'ils soient flics ou curés. À vrai dire, je m'en fous. Au mal à toute épreuve égarée chez les tantes, pour fondre un peu leurs pieds ou pour se faire des sous. C'est peut-être au Gerpil, à l'heure du délire, à l'heure où l'on zigzague en croyant marcher droit, que j'y mélangeais le meilleur et le pire, et la droite et la gauche, et l'envers et l'endroit. Et mourir quelquefois, un peu comme on rigole, spectacle étonnant qui ne m'ont rien appris. Pourtant, ce fut pour moi une excellente école. Ce qui ne vaut rien n'a jamais eu de prix.